concession de licencias multi... Nous avons atteint trois objectifs avec ce texte. Premièrement, garantir l'exercice des droits des créateurs et des artistes. Nous avons raccourci les délais de distribution des montants perçus. Nous avons consacré le rôle central de l'Assemblée générale dans le processus décisionnel et de contrôle afin que le fonctionnement des sociétés de gestion collective soit véritablement démocratique. Désormais, les relations entre les sociétés de gestion collective, les radiodiffuseurs, les radios ou les plateformes comportent des obligations réciproques d'information, notamment sur les tarifs pratiqués, qui vont simplifier évidemment la concession des licences sur les œuvres protégées par le droit d'auteur. Si une plateforme comme Spotify obtient plus rapidement et à moindre frais un répertoire musical, cela signifie que les utilisateurs européens auront un accès plus facile à la musique de leur choix. Les sociétés de gestion collective vont jouer un rôle de facilitateur du marché intérieur. Au lieu de s'adresser à 28 États membres avant de pouvoir lancer un service de musique en ligne pan-européen, ce texte permettra aux plateformes et aux start-ups européennes de solliciter un nombre limité de sociétés de gestion collective qui concéderont les licences pour l'utilisation d'un répertoire musical mondial. Avec ce vote à l'unanimité au sein de la Commission des affaires juridiques, des conservateurs britanniques aux pirates suédois, nous avons démontré notre volonté de légiférer dans l'intérêt général et celui du marché unique du numérique. Les nouvelles dispositions vont donner aux ayants droit un droit de regard dans la gestion ou encore obliger à l'identification des ayants droit et à la distribution des sommes collectées dans un délai maximum fixé. Une vraie modernisation également avec plus de dynamisme dans les relations des sociétés avec les fournisseurs de services. La directive établit des conditions de fonctionnement que ces sociétés devront remplir pour pouvoir accorder des licences multiterritoriales. Et enfin, cette directive donne à ces sociétés le droit d'être représentées par d'autres sociétés si elles ne peuvent pas remplir elles-mêmes ces critères, ce qui permettra de réduire le nombre de licences nécessaires pour lancer des services en ligne en Europe. Lancer les travaux avec une forte volonté. Je ne veux pas revenir sur des cas spécifiques en temps voulu, c'est-à-dire au moment où va d'auteurs dans l'Union européenne.